Salut à tous, c'est Vaz. Alors aujourd'hui, nous avons prévu avec quelques amis d'aller marcher du côté de Hamoir, toujours en Belgique, donc puisque j'habite en Belgique. Il s'agit d'une marche adepte. Les circuits du côté de Hamoir sont souvent très intéressants. C'est un beau coin de campagne, en pleine nature. D'un point de vue exercice physique, c'est vallonné, donc c'est toujours intéressant également. À mon avis, on ne va pas faire la plus longue, mais ça reste un moment très agréable à passer en bonne compagnie, travailler le lien social avec des personnes proches et également se retrouver dans la nature, marcher et pourquoi pas aussi tester des systèmes, tester des vêtements. Aujourd'hui, il ne fait pas très froid, donc ça permet un petit peu de voir quels sont les vêtements adaptés à ce type de température. Tester un système d'emport aussi, ça m'arrive d'utiliser les marches adeptes pour par exemple voir dans quelle mesure je peux transporter mon sac d'évacuation sur une plus ou moins longue distance avec des dénivelés et un parcours parfois légèrement accidenté. Que cela permet également de tester tout ce qui est système pour la nourriture. Vous partez à une marche adepte le matin, vous pique-niquez sur place et ça vous permet de tester vos systèmes de réchaud ou vos nourritures lyophilisées. Ce n'est pas dans l'hypothèse où un jour vous devriez vous retrouver dans une situation difficile qu'il faudra à ce moment-là commencer à se demander, tiens, comment est-ce que ça fonctionne, quelle quantité d'eau dois-je mettre, oh, finalement je n'aime pas, j'aurais pas dû prendre ça. Parce que, comme je l'expliquais encore dernièrement sur le blog, l'acquisition de matériel, c'est bien, l'acquisition de connaissances via Internet, via la lecture, c'est extrêmement intéressant, mais il est aussi très important de sortir, d'aller à la rencontre de la nature, de mettre en place les techniques testées, et tout ceci permet de donner une autre dimension à la préparation et ça fait partie de la préparation véritablement à part entière. Voilà, on est parti pour Hamoir, mais d'abord je vais passer rejoindre mes amis. Vous voyez pourquoi il faut un Defender quand on habite près de chez moi. Non, on peut pas faire ça. Bah, on va dans les bois. La volonté, hein. Allez, au bout. C'est parti, on avance un peu plus vite. Hein. Ouais. Oh, ça va très bien, et toi? Très bien, ça va. Quelle belle vue!
Ah, je veux plus. Je sais pas où on va mettre le moment parce que ça va être plus. C'est beau. Le soleil est magnifique. Il est magnifique pour le montre. Ici. Ah, c'est où l'arrivée? Là. Oh, ok. On arrive. On a fait. Titit. Titit. 80%. Et ça? On est à la moitié du chemin. Moi je me voyais déjà un petit peu. J'ai dormi 5 heures. Alors Morgane, c'était bien la marche? Ah, c'était excellent, bien mieux que la dernière. C'était assez physique quand même. C'était beau, il a fait nuit à la fin, il faisait noir à la fin, dommage. Oui, dommage. Mais sinon c'était mais bien. Non, c'était, ouais. C'était un peu excitant dans le sens où on savait qu'Alison allait avoir peur. Elle flippait. Alison? Moi je suis dégoûtée parce qu'il n'y a plus de tarte aux pommes. Il n'y a plus de vin blanc. Donc. Et il n'y a plus de vin, ouais. Enfin, ça, on peut pas tout avoir. Moi, je suis content parce qu'il y a de la bière du pays. Tu vois, c'est pas mieux pour. Et pour moi, c'est café. Et voilà, fin de la balade. Là, on va aller. Eh merde, voilà. Là, on va aller manger avec le petit groupe. Et puis, on rentrera. Voilà. Belle petite journée passée dehors. Une de plus. Allez, ciao. Vous ouvrez l'œil.